Bonsoir à tous. Aujourd'hui, vendredi 16 juin 2023. Bienvenue sur ces flashs d'informations sur Malik Nafoli Show. Le bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse, CNJ, a tenu à son siège un point de presse le jeudi 15 juin 2023, au cours duquel il a invité les jeunesses à sortir massivement le vendredi 16 juin pour la clôture de la campagne référendaire au stade 26 mars organisée par la coordination pour le Oui. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ag Ataï. Les cinq colonels ont eu raison de faire confiance au colonel Lamini Kapouri Sanogo, gouverneur de la région de Kouloukouro. C'est sous un soleil de plomb à 15 heures que la population de la région de Kouloukouro s'est mobilisée pour prendre d'assaut le terrain Mamadou Diarra en faveur du oui pour le référendum qui aura lieu le 18 juin prochain. C'est à 8h15 juin 2023 en présence de quatre ministres. Le président du groupe Rassemblement National RNA à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a salué le rôle de la Turquie dans les discussions entre Kiev et Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine. La ville de l'arrivée d'une mission de paix africaine en Ukraine et plus tard en Russie, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a informé le secrétaire général de l'ONU des futures actions de cette délégation. Antonio Guterres a commenté l'initiative de ce pays d'Afrique. Assise à la décision portant création de commissions de remise des cartes d'électeurs biométriques à l'occasion du référendum constitutionnel dans le district de Bamako. Les centres de retrait pendant cette journée de citoyenneté ont connu une grande affluence. Les soldats russes recevront des primes s'ils parviennent à détruire des chars Léopard de fabrication allemande et des véhicules blindés fournis par les États-Unis et utilisés par l'Ukraine, a déclaré le ministère de la Défense russe ce vendredi. Un hélicoptère de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA s'est renversé par des vents violents après son atterrissage le 16 juin à Gao dans le nord du Mali, a fait savoir la mission onusienne. L'incident a fait 11 blessés dont est dans un état critique, propre rétablissement aux blessés. Ensuite, une femme déguisée en mandjate s'est fait surprendre avec munitions entre Burkina Faso et Bénin. Et enfin, 3 ans de prison ferme a été donné par Madame Vichero Rose Dumia alias Rose Poivron pour incitation à la violence, trouble à l'ordre public et offense au chef de l'État. Le juge va délibérer le 16 juillet prochain. L'intention des annonceurs, la direction commerciale de Malik Nafoli ouvre son espace pour vous. À toutes celles et tous ceux qui désirent faire connaître son produit peuvent nous contacter au numéro suivant 76 65 63 82. Fidèle abonné de Malik Nafoli Show, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.